La police italienne a mis la main sur plus de 5000 œuvres d'art volées. C'est la plus grande saisie du genre jamais réalisée dans la péninsule. Le résultat de 10 ans d'enquête qui ont permis de mettre au jour un trafic important autour de ces antiquités romaines entre l'Italie et la Suisse. 19 personnes ont été arrêtées. Les œuvres que nous voyons ici proviennent de différentes régions, a précisé le ministre de la Culture, qui a promis que ces objets seront restitués là où ils ont été volés. Ces pièces d'archéologie ont été dérobées lors de fouilles illégales en Sicile, en Sardaigne ou encore en Calabre. Elles étaient ensuite acheminées en Suisse pour être clandestinement restaurées avant d'être vendues à l'étranger grâce à de faux certificats d'authenticité. La valeur totale de cette collection pourrait dépasser les 50 millions d'euros.